Faute. C'est la maladie des infirmières en général, on passe notre temps à boire des cafés. Tous les trois jours, il y a un rebondissement. Je pense que c'est un peu une série Netflix. D'ailleurs, à chaque fois que je croise quelqu'un, on me dit on se croirait dans une série Netflix. Je dis oui, oui. Et encore, vous ne vivez pas de l'intérieur. J'ai envoyé un mail où je proposais 50% des places sur ma liste, plus la présidence de la métropole. C'est juste dans les accords politiques, je sais pas, peut-être pas de la politique, mais proposer ça, c'est juste énorme. Enfin, parce que là, on se retrouve avec deux listes Europe Écologie Les Verts, quand même. C'est complètement absurde. Et du coup, ça scindait tout le monde, on partait tous ensemble. J'ai pas eu de réponse. Enfin, je fais peur parce que quand je dis que je vais faire les choses, j'ai été maire pendant 6 ans. Les gens, maintenant, savent que quand je le dis, je le fais. Et quand je dis que je vais arrêter Aude à la mer, je vais arrêter Aude à la mer. Quand je dis que je vais arrêter de bétonner les terres agricoles, je vais arrêter de bétonner les terres agricoles. Puis je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait un PLU. Donc je sais comment on fait pour arrêter tout ça. Et ils savent que je sais, parce que je les ai déjà bloqués pendant 6 ans. Alors sur une commune de 320 habitants, ça les dérangeait pas trop, ça les faisait rire. Mais là sur Montpellier, ça leur pose plus de problèmes. Donc voilà. Allez, c'est parti. Du père Prévost qui invite les habitants pour réfléchir sur le devenir de ce quartier. Alors que Clotilde de Vienne. Je vais répondre. Je vais me permettre. Je suis juriste de le voir. Excusez-moi, je vais juste me permettre de répondre. Pardon. Et on va continuer sur le comité de quartier, parce que je pense que c'est ce qui intéresse les gens. Et les histoires de tambouilles, de partis politiques. Pour discuter des problèmes de monsieur ou des problèmes du quartier. Je pense que ça n'intéresse personne. Il faut se rassembler. On se rassemblera de toute manière au deuxième tour. Il faut absolument faire gagner l'écologie sociale, l'écologie de gauche à Montpellier. Je crois qu'on en a tous envie, collectivement, on a envie de changer les choses et on peut le faire, on l'a entre nos mains, donc c'est maintenant. Si on peut changer la 7e ville de France et montrer que c'est possible à Montpellier, alors si c'est possible à Montpellier, c'est possible partout. J'ai envie de vous dire, on peut changer le monde. Il nous reste 10 ans, allons-y. Merci beaucoup et n'hésitez pas à me joindre. Pendant 11 ans, j'ai été présidente des parents d'élèves et je sais qu'il n'y a rien qui bouge quand il n'y a pas un collectif de parents qui est là, qui se bouge. Et quand je vois à quel point vous êtes nombreux, vous êtes là, vous êtes motivés, ben, je crois que c'est de là que ça part. C'est des habitants, c'est de vous tous, vous toutes. Ce qui est important, c'est de retisser du lien, en fait, pour que les personnes qui sont élues, en tout cas, le maire... Faut que les élus arrêtent de mentir aux Français, alors. Je suis d'accord avec toi, merci. En tous les cas. Et évidemment qu'il ne faut pas qu'il y ait de mensonges, mais pour pas qu'il y ait de mensonges, il faut ouvrir le dialogue et il faut qu'il y ait de la discussion. Monsieur Delafosse. Oui, très, très rapidement dans le temps. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va laisser les candidats s'exprimer. Monsieur Vignal, que je vois arriver, s'exprimera comme les autres. 3 minutes, mais pour l'instant, la parole est à monsieur Delafosse. Je suis à la commission culture à l'Assemblée, je les ferai. En ce qui concerne ce collège, effectivement, le quartier Pont-Marie est en train de grossir. Hein. On est à plus de 30 000 habitants. Donc moi, je ne ferai pas des promesses en l'air.
Alors, on n'a pas mis parce qu'en fait, on ne pouvait pas tout rentrer. Mais alors, effectivement, sur les animaux dans les laboratoires, on ne peut rien y faire parce que c'est l'État. Donc là-dessus, on ne peut rien faire. Les animaux dans les cirques, bien sûr qu'on va continuer à l'interdire, ce qui est déjà le cas et ce qui continuera à être le cas. Chers amis, juste, vous savez, on a des journées très très occupées, on est tout le temps en retard justement parce qu'on décale les rendez-vous. Je voulais juste vous dire qu'on va terminer dans 5-10 minutes. Si vous avez encore 2-3 petites questions, on essaye de faire peut-être plutôt, vous voyez, questions-réponses courtes. Comme ça, ça permet peut-être de boire un verre et tout ça tous ensemble. Et puis après, on a le temps d'aller au rendez-vous suivant, parce qu'il y en a encore 4. D'accord, il n'est que 15. On va gagner une minute. Encore 4 rendez-vous, on en a fait 4 déjà, ça fait 8 dans la journée. Tu l'as jamais vu ce truc-là? Tu l'as jamais vu? De Vidjian là, avec sa petite. C'est longtemps, là, le mot. Ça a 10 ans ce truc-là, je crois. Bonjour. Je suis candidate pour l'écologie et j'ai un commerce juste à côté d'ailleurs. Oui, je sais que vous savez. Du coup, je me permets de passer pour vous laisser mon programme. Ok, je vous remercie. Mélange, es-tu là ? Donc l'idée, c'est juste de distribuer des tracts aux passants et de faire des belles images pour le site et pour éventuellement les pubs de campagne et les réseaux sociaux. C'est bon ? Tiens, t'inquiète. Je te jure, je ne viendrai pas ce moment. Ciao les gars, ciao. Ciao. Alors maintenant, vous savez, il y a toujours un petit moment dans l'apéritif militant, c'est la fameuse chaise. Tout va bien. Alors, je vais dire deux mots. Il nous reste, je ne parle pas longtemps, vous savez bien, il nous reste 2 semaines. D'accord. C'est rien. L'élection, c'est demain. Donc il faut que tout le monde soit dans les rues, partout. On a 2 semaines clairement. C'est extrêmement important. Plus on nous voit, plus on est visible, plus on a des chances d'être élu. Merci à toutes et à tous et à la semaine prochaine. Enfin, quand je disais à la radio clairement que moi, le jour où ma nièce m'a dit mais ça sert à quoi, Tati, que je travaille, que je fasse des études, je sais même pas dans 10 ans où on en sera. Quelque part, c'est... Oui, ça terrorise. Et en même temps, on se dit, bon, ok, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Enfin, est-ce qu'on est condamné? Est-ce que... Non, il y a encore de l'espoir. Et de l'espoir, moi, j'en aurai toujours jusqu'au bout. Enfin, donc non, j'ai pas le droit d'être fatiguée. Je suis comme tout le monde, parfois les gens me disent, mais ils pensent qu'on vide tout ça. Je leur dis non, j'ai pris 2 mois de congé sans solde, voilà, pour pouvoir avoir du temps pour cette campagne. Je suis comme tout le monde, je travaille, je fais mes courses, j'ai la vie de tout le monde. Et ça prouve juste qu'on peut être une femme et on peut être infirmière et on peut faire de la politique et être candidate dans la 7e ville de France. C'est moi qu'on voit sur les affiches, mais derrière, vous l'avez vu toute la journée et vous l'avez vu ce soir à l'apéritif militant, il y a tout un collectif, il y a énormément de gens, d'associations, de personnes qui s'investissent et qui ont envie qu'on arrive à transformer, à changer cette ville. Elle mérite d'être dynamique et puis d'être vraiment écologique. Et si je te demande un mot pour te qualifier, tu dirais lequel ? Un adjectif ? L'empathie. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy, je viens vous parler parce que ici, il y a un terrain agricole
Alors qu'est-ce qui se passe? Qui va être conduit? Vous voulez savoir, madame Ollier, ce qui a passé sur ce terrain? Je vais vous le dire, madame Ollier, ce qui va se passer. Bon, allez, on y va.